vous allez bien? Mais écoutez, je vais bien. Bon, j'ai fini tous les signes. Donc voilà. Oups. Du coup, on va faire. On va regarder hein, de façon générale. Ok, les petits messages que je peux te faire passer. Ok. Je suis en train de m'interroger sur quelque chose là. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc bougez pas. Un petit K2. Un petit K2. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, ça me vient comme ça d'un coup. J'ai pas. Voilà, je. Alors, par exemple, ça, c'est mes vitamines. Et en deux, bon, je suis désolé, ça me vient comme ça d'un coup dans ma tête. Hein. Bon, on va prendre ma petite pomme. Bon. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. C'est un peu compliqué. Alors, bougez pas. On va reculer. Voilà. Ou le tas 1 ou le tas 2. Donc, je vous laisse choisir. Et ensuite, oh ben, on y va. Donc, on va commencer par le tas 1. Et ensuite, on fera le tas 2. Ok. Bon, allez, on y va. Alors, donc d'abord, je vais, comment dire, je brasse trois fois pour bien mélanger. Ok, allez. One. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on me dit quoi? La première carte, c'est bon. Donc, voilà, hein, on va pas faire un dessin, non. Là. Donc, en général, c'est... il y a deux schémas. Soit de la sexualité. Enfin, soit il n'y a pas du tout de sexualité. Soit il y en a, mais pas de bébé. Ok. Voilà, pas d'enfant. Ok. Je vois pas de bébé arriver. Ok. Après, il y en a, ils doivent beaucoup y penser. Autant des hommes que des femmes pour ceux qui n'ont pas de sexualité. Parce que j'en vois qui en ont. Ok. Bon. Ok. Mais l'un dans l'autre. Bon. Il y en a, il n'y a pas de sentiment, c'est-à-dire c'est comme ça. C'est comme ça. Et je ne vois pas, en plus, c'est dans les deux cas, je ne vois pas ces gens vivre ensemble. Voilà, c'est comme ça. Comme ça. Alors, bon, il y en a beaucoup qui ne savent pas que c'est comme ça. Ouais. Et en règle générale, eh ben, tant qu'ils ont envie. Et après, on vous quitte. Voilà. Donc, donc après, bon. Voilà. Après, il y en a qui peuvent s'éloigner. Mais se dire, oh, ben, tiens, si je remettais le couvert. Mais c'est sexuel. Il n'y a pas le cœur qui est pris. Vous voyez? C'est-à-dire au gré de leurs envies. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas le cœur qui est lié. Et puis d'ailleurs, en général, ils ne veulent pas tomber amoureux, amoureuse de ce genre d'homme ou de femme. Et il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et que ben, si toi, en face, tu, comment dire, tu espères plus, tu vas vite déchanter. Ou vite ou pas vite. Mais voilà. En plus, il y en a... alors, tu as ceux et celles qui jamais te déclareront leur flamme. Et pas une fois, ils te diront qu'ils t'aiment. Pas une fois, ils te diront qu'ils ont un manque. Ok? Voilà. Que vous l'ayez, que ça se passe qu'au début, vous ne connaissez pas. Bon, ben, jamais une fois, ils ne vous diront, il n'y aura pas. Non, il n'y a pas. Ok? Après, il y en a si. Mais si. Il y en a qui vont
te dire petit à petit, mais qui t'aime. Mais c'est la même manœuvre. Et dans l'autre, c'est pareil. Voilà. Donc, c'est très compliqué parce qu'il y en a qui jouent la carte de l'amoureux, de l'amoureuse, mais au final, ils vont te quitter. Et c'est que des fesses. Après, il y en a qui ne te diront jamais une seule fois des mots d'amour, mais c'est que des fesses. Ok? Bon. Voilà. Et même des fois, les autres qui jamais une seule fois te diront t'es jolie, machin, au bout d'un moment, il y en a même qui le feront. Et ben ça va pas. Mais non. Non, ça va pas. Ça va pas, puisque. En définitive, aucun de ces hommes ou de ces femmes ne ressent le moindre attachement, non, ni le moindre amour. D'ailleurs, une fois, par exemple, qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ces gens, tu sais que, non, parce que je veux bien croire que tu, il y en a, ils jouent la carte que c'est pas parce que tu ne dis pas je t'aime à un homme ou une femme. Qu'il ne t'aime pas. Ah ben, au bout d'un moment, quand même. Hein. Voilà. Mais, si jamais l'ambi reprend de tirer un coup encore avec vous, il risque de vous refaire la même procédure. Alors là, c'est à vous à les prendre à leur propre piège. Ah ben, ça. Et alors, dire, mais c'est bizarre quand même. Hein. Parce que j'ai remarqué. Que à chaque fois que tu me parles, qu'on se revoie, bizarrement, tu me redis que tu as un manque et que tu m'aimes. Donc en fait, c'est juste quand par exemple, tu repenses fortement à nous, parce que combien il y en a à nous comme ça? Combien d'hommes ou femmes ont fait le coup déjà? Et là, eh ben non! Il ne faut pas coucher avec eux. Mais non. 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 Non, 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 non. Mais si tu te retrouves seul où il n'y a personne, les yeux dans les yeux, tu recoucheras avec ce genre de mec ou de nana. Et ensuite, qui te refera la même procédure qu'il t'a fait avant. Et il y en a plein comme ça. Si, et juste pour des fesses. C'est incroyable. Moi, je comprends pas. Ah ben moi je comprends pas. Comment vous voulez que je comprenne? Non, non je comprends pas. Non. Sais pas, ils ont qu'à se trouver des hommes et des femmes qui veulent juste coucher. Hein. Et même si ton cul est trop bien. Non, c'est pas possible ça. Et ils recommencent toujours la même procédure. C'est dès que par exemple ils se disent ben si je retirais un coup avec eux et elles, ils recommencent le même scénar. Alors, des fois, ils se disent, ça dépend combien de fois on vous a fait le coup avec la même personne ou des personnes différentes. Mais à force, si c'est la même personne, eux, bon, ils sont pas cons. Ils vont se dire, ouais, mais bon, on va pas me croire. Ah ben ça, c'est sûr que non, on va pas te croire. Hein. Peu importe combien d'hommes et de femmes font ça à la même personne plusieurs fois. C'est sûr que c'est de plus en plus dur. Ah oui, à vous avoir. Et ils vous prennent pour des idiots et des idiotes. Ouais. Ils vous font de la, comment on appelle ça? De la fausse projection. De la fausse, des faux mots doux. Des faux sentiments. Ouais, c'est faux. Et il n'y a pas un seul mot de vrai qui sort dans la bouche de ces hommes ou de ces femmes. C'est dramatique. Voilà. Et combien d'hommes et de femmes sont tombés amoureux et amoureuses de ce genre d'hommes et de femmes au pluriel? Qui vous prennent pour des idiots et des idiotes. Voilà. Et qu'avec ce genre d'hommes et de femmes... Ben, il faut leur rendre la monnaie de la pièce. C'est horrible. Mais si, c'est horrible, ils vous prennent pour des idiots. Et des idiotes. Et que, il faut leur donner, si vous voulez, une bonne leçon à votre façon. Mais si.
Et que vous pouvez. Mais si, vous pouvez. Mais ça, à vous de réfléchir. Comment vous pouvez leur donner une bonne leçon? Quand ils vont vous faire les rebondoles à Venise et qu'en réalité, ils veulent juste un rapport sexuel avec vous. Et qu'il y a des tas de façons de leur rendre la monnaie de la pièce. C'est à vous de voir. Parce que je ne peux pas le dire. Non, parce que si je le dis, ils sauront. Comprenez? Mais c'est à vous à réfléchir comment vous pouvez jouer avec eux comme eux jouent avec vous. Et vous pouvez. Ah, c'est. C'est. Mais si. Il y a des tas de façons aux hommes et aux femmes qui vous font ça, ben, de jouer avec eux comme eux jouent avec vous. Dans les rencarts, machin, les rendez-vous pour se revoir. Ah, il y a des tas de façons. Ah, ben, à vous de réfléchir comment. Ah, mais si je le dis. Ah, ben, non, parce que je vous le dis. Par exemple, moi, je fais des vidéos. Ben, ces mêmes hommes et femmes peuvent regarder. Me regarder, moi. Regarder d'autres chaînes. Mais je peux pas dire, du coup. C'est à vous à réfléchir comment ben, les prendre pour des idiots comme eux vous prennent pour des idiots. Ah, et il y a plein de façons de rendre la monnaie de la pièce à ce genre d'hommes et de femmes qui jouent avec vous. Ok, mais si, c'est pas bien. Je suis désolé. Parce que à chaque rendez-vous, c'est que pour des fesses. Et il y a ceux aussi, une fois qu'ils vous ont eu, qui changent totalement de discours vis-à-vis de vous, messieurs, mesdames. Donc, ah ben si, vous pouvez. Mais à vous de réfléchir comment. Si jamais ils vous redemandent à vous revoir, mais je ne peux pas le dire. Parce que ces mêmes hommes et femmes, je vous assure que si vous, vous regardez des vidéos, eux aussi regardent. Et que, mais ils s'adaptent. Eh ouais. Donc à vous de voir comment vous pouvez leur rendre la monnaie de la pièce concernant si vous devez vous revoir. Voilà. Ici. Alors, si vous, vous regardez des vidéos, eux aussi regardent. Donc, à vous de voir. Mais il y a des tas de façons de rendre la monnaie de la pièce à des hommes et des femmes qui vous prennent pour des idiots. Ah, mais si. Mais encore, faut-il avoir le courage de le faire. Mais ils le méritent. Mais si, ils le méritent. Puisque eux, quand par exemple, ils vous proposent des rencarts, c'est que pour des fesses. Et qu'après, ils changent avec vous. Et même au niveau de tout. Mais si, de tout, ils ne sont plus du tout les mêmes qu'avant le rapport sexuel. On est d'accord jusque-là. Donc, il faut leur rendre la monnaie de la pièce. Pour qu'ils comprennent qu'on ne joue pas avec des femmes ou des hommes. Et que ce ne sont pas des jouets. Que ce n'est pas des hommes et des femmes qu'on utilise pour assouvir leurs besoins sexuels. C'est tout. À vous de voir. Mais il faut que ça cesse. Parce que c'est pas bien. Ok? Et que ces hommes, il y a autant des hommes que des femmes qui le font. Donc, il y a des tas de façons de rendre la monnaie de sa pièce à des hommes et des femmes qui font ça. Mais encore faut-il que vous ayez les idées, parce que si je ne peux pas vous les dire. Ah ben non, parce que si. Eh ben écoutez, ces hommes et ces femmes, il y en a, ils écoutent des vidéos comme vous. Hein. C'est horrible. Mais si. Il y en a même qui écoutent des vidéos comment faire tomber un homme ou une femme amoureuse. Comment, mais si, comment en très peu de temps rendre des hommes et des femmes amoureux. Mais ces hommes et ces femmes qui font des vidéos coaching, comment rendre dingue, comment faire tomber amoureux des hommes et des femmes, eux, ils le font dans le but. Pour des hommes et des femmes qui veulent une relation sincère, amoureuse, qu'on vive avec ou pas. Mais eux, quand ils les écoutent, c'est pas pour ça. Mais non, c'est comment, en gros, comment avoir le plus rapidement une nénette ou un gars dans un lit, peu importe où, et ensuite les larguer. Eux, c'est ça qu'ils font. Mais tous les hommes et femmes qui coachent tous les jours, que ça soit sur des vidéos, par exemple sur les réseaux,
ou même des fois qui vont jusqu'à les contacter en privé et payer des coachings comment faire tomber amoureuse un homme ou une femme le plus rapidement possible, eux, ils vont pas aller dire que c'est en gros comment je peux me baiser, excusez-moi, le plus de nana possible et ensuite les larguer aussi vite. Eh ouais. Mais par exemple dans mon domaine, c'est la même chose, hein. Et ces hommes et ces femmes, ben, écoutent autant des vidéos de voyance que des coachings. Et c'est horrible. Mais nous, on essaye, si vous voulez, de guider des hommes et des femmes, par exemple, purs célibataires, à rencontrer quelqu'un de bien. Mais les ordures sont là aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? On peut rien y faire. Par contre, il faut vraiment les punir, ceux-là. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Parce que eux, quand ils écoutent des vidéos de voyance, c'est pas dans le même but. Hein. Et quand ils contactent des coachings, oui, en privé, ou même qu'ils écoutent leurs vidéos, c'est pas le même but, messieurs, mesdames. Et c'est ignoble, en fait. Mais c'est compliqué. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que nous, voyants, voyantes, les coachs et tout, c'est pas pour ça. Mais eux, eh ben, ils s'en servent comment? Eh ben si. Avoir le plus rapidement des mecs et des nanas, coucher avec eux et les larguer. Eh ouais, c'est ignoble en fait. Mais c'est pas du tout la même démarche en fait. Eh ouais, mais c'est horrible en fait. Et si vous saviez combien il y a d'hommes et de femmes qui font ça, c'est ignoble. Alors, malgré tout, il y a plus de mecs, mais il y a des nanas aussi. C'est qui plument, oui, qui les plument, machin, qui les séduisent, qui se font payer des tas de trucs à distance, en vrai, et après, elles les larguent comme des déchets de la société. Mais les mecs, ils font pareil. Et bon, alors il y a la voyance, il y a les coachings, mais c'est pas du tout la même démarche qu'ils veulent eux en réalité. Moi, ça me dégoûte. Voilà. Et que, à tout homme et femme qui fait ça, eh ben, il faut se venger. Alors, comment? Ah ben, je vous garantis qu'il y a plein de manières de rendre la monnaie à ce genre de mec et de nana. C'est plein. Mais à vous de réfléchir. C'est dégueulasse. Sérieux? Ben si. Parce que les nanas les plument comme des oufs, mais les mecs sont radins. Par contre, du coup, les nanas qui font ça travaillent beaucoup plus les mecs. Si, mais elles y arrivent. C'est les mecs et les mecs font ça à des nanas aussi. C'est horrible. Bref. D'ailleurs, bizarrement, vous allez rigoler, ils tombent toujours amoureux ces mecs de ce genre de pouchasse. Ah ben, c'est des pouchasses. Mais remarquez. C'est la monnaie de la pièce, puisqu'ils profitent de nanas gentilles qui les aiment, qui tombent réellement amoureux. Donc, à un moment donné, là-haut, Dieu, l'univers, leur envoie leur double démoniaque et ils tombent dedans. Et en général, ils en tombent fou amoureux. Ben, c'est là où ils les punissent. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais si. Et que, en fin de compte, des fois, vous savez même pas si que. Ils couchent, ils n'arrêtent pas ces mecs. Hein. Mais à un moment donné, ils veulent arnaquer une nana, admettons, qui les travaille tellement bien au corps qu'en définitive, ils en tombent raide amoureux. Et là, vous ne le savez même pas souvent, comme on me dit, mais vous avez déjà eu votre vengeance. Mais si, mais ça, vous croyez que ce genre de mec, par exemple, va venir vous dire « je me suis laissé embarquer dans une sale histoire » avec une gonzesse qui me dépouille tout mon pognon, la misère et tout. Mais non, ils vous le diront pas. D'ailleurs, en général, ils s'éloignent de plus en plus de vous. Ces mecs. Mais si. Et ensuite, c'est là qu'ils ont le déclic et qu'ils se disent « Putain, mais l'autre nana, c'était une fille gentille, douce, un côté très maternel. J'aurais dû rester avec elle et tout. » Et vous avez déjà votre vengeance et vous la savez même pas. Mais non, parce que vous ne pourrez jamais savoir ce qui se passe avec d'autres nanas.
à moins que vous soyez extra lucide. Hein. Et après, ils sont là et ils pensent tellement à vous et à tout le mal qu'ils vous ont fait. Et ensuite, ils se disent, si j'arrive à me débarrasser de mon brocoli, puis une fois, je ferai une mal à une femme. Et même des fois, souvent, ils se disent, si j'arrive à me débarrasser d'elle, je me remets avec celle d'avant. Mais vous ne le savez pas. Je vous le dis. Mais si. Et d'ailleurs, il y en a qui dorment très mal. Très, très mal. Ah ben, tu m'étonnes. Voilà. Donc, je vous le dis. Donc, on me parle de ça pour le premier tas. C'est ignoble. Si. Mais ils le payent avec une autre ou un autre. Si. Qui leur rend la monnaie de la pièce à votre place. Donc, voilà. Ensuite, bon, on va regarder ben, pour le deuxième tas. Alors, mon téléphone, il est en train de charger des vidéos, mais il n'arrête pas de se mettre en veille. C'est horrible, je vous le dis. Mais vous le saurez pas. Mais non. Parce que ces mecs ou ces nanas ne vont pas venir, ben, quoi que quoi. Ils vont dire, bon, ben, je me suis fait estorquer, pigeonner par une autre nana ou un autre mec qui m'a utilisé. Et, mais non. Mais vous avez déjà votre retour de boomerang. Et tôt ou tard, ils reviennent vers vous. Si, en célibataire. Et plus jamais une seule fois de leur vie, ils vont vous tromper. Non, parce qu'en plus, vous couchez avec et ils vous font cocu. Ouais. Et là, en général, vous ne vivez pas ensemble. Mais c'est bon, bref. Donc, je vous le dis, t'as numéro 1. Donc là, on me parle des rêves, on me parle des espoirs d'hommes, de femmes. J'ai une notion d'eau, de verso. bon, il y a eu, y a eu des rencontres dans le passé où on mettait beaucoup d'espoir en fait que ça marche, autant dans des hétéros que des gays. Malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme on le pensait. Et il y a eu des blocages, de la lenteur. Ça a dû mettre longtemps au niveau des rencontres pour certains, physiques. Des hommes et des femmes qui n'étaient pas très très sûrs de vouloir vous rencontrer en réalité. Des hommes et des femmes qui étaient plus sur ce truc de discussion sur les réseaux. Voilà, quand on ne savait pas trop quoi faire, machin bidule. Certains se sont rencontrés et puis en définitif, on s'est rendu compte que c'était pas le bon partenaire, homme, femme. Alors déjà au niveau de certains versos, alors ça peut être des versos, ça peut être de l'autre côté, mais bon, ça n'a pas fonctionné. À l'heure actuelle, que ce soit des versos ou les autres, vous rêvez, vous avez l'espoir de rencontrer prochainement le bon partenaire, mais moi, j'aurais tendance à dire que j'ai d'énormes blocages, de la lenteur, parce que ben, les gens déjà ont beaucoup de mal à se lancer dans les vraies rencontres. Ensuite, souvent, on a des idéaux, ah, si, homme, femme, physique, travail, blablabla. Ensuite, on va se dire, ouais, bon, je vais tenter, et en définitif, si vous sentez que même avant la rencontre, ça va pas, c'est pas la peine de forcer les choses, à moins que les blocages soient d'autres autre chose. C'est-à-dire que vous ayez des ex épouvantables, ou que ça soit des retards par rapport au travail, ou des enfants, ou ce genre de choses. Si les blocages, c'est autre chose que vous sentez qu'il n'y a pas les affinités, c'est même pas la peine de rencontrer. Mais des fois, on n'écoute pas les gens. Et on se lance et au final c'est un fiasco. Donc voilà, hein, parce que bon, après les blocages, comme je dis, parfois ça peut être par rapport au travail. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, pour ceux et celles qui sont divorcés, ou des fins de relations très difficiles. Mais des fois les blocages, c'est toi tu les sens et il faut pas forcer. C'est-à-dire que en définitive, ça ne marchera pas en vous voyant en fait. Voilà. Alors, il y en a, ils prennent beaucoup de temps à analyser les mecs ou les nanas. Ouais, trop long, trop long, trop long. Mais trop long! Vas-y, il y en a, c'est en année. Si.
en année. Et là, par contre, c'est dommage parce que au lieu d'analyser le mec ou la nana, tu devrais te lancer. Ok? Alors, Yana, vous n'êtes jamais rencontré encore, ben lancez-vous parce que ça va marcher. D'autres, vous connaissez, vous êtes déjà rencontrés, mais vous êtes trop dans l'auto-analyse. Et qu'on vous dit, lancez-vous. Ok? Alors là, j'ai des béliers. Bon, des béliers, à mon avis, qu'ils ont dû se casser la gueule à plusieurs reprises. Ok? Le bélier devrait un peu plus foncer. Ouais, on me dit ça. Un peu plus foncer. Les fameux béliers. Ouais. On était déçus, machin, bidule. Vous devriez peut-être vous ouvrir un peu plus. Hein? Par contre, laissez venir les mâles. Moi, je déconseille de faire des inversions. Ok, c'est pas parce que vous trouvez que c'est long, machin, bidule, non. Mais ça va venir. Bon. Ouais, il y en a, c'est par rapport à leur profession, machin, bidule, je l'ai dit. Ok, mais lancez-vous, hein. Bon, il y en a, c'est le travail, j'ai dit. Bon, bref. Bon, il y en a, ça n'a pas marché, vous deviez le sentir bien avant les rencontres. Hein. Et il y en a, ils l'ont mal pris, ils ont fait ça comme des trahisons, machin, bidule, bref. Donc voilà. moi, j'ai les Capricornes. Ça donne une impression que. Il y en a, ils se connaissent. On vous dit d'arrêter d'auto-analyser le mec ou la nana en face. Que c'est pas quelqu'un qui va te décevoir. C'est pas quelqu'un qui en veut à ton fric ou à ton travail. C'est pas quelqu'un non plus qui va te tromper avec un autre gars ou une autre nénette. Donc voilà. Par contre, moi, les Capricornes, je pense qu'ont eu d'autres relations. Si tu connais quelqu'un. Je dirais plutôt que c'est eux qui vous ont trompé, hein, mais bon. Ok. Certains ont des enfants. Pour moi. Beaucoup de discussions dans le passé. Capricorne. Plusieurs femmes, plusieurs hommes. Des rencontres. Mais vous les avez trompés. Alors après, vous êtes là à faire du genre que vous vous méfiez de nana ou de gars alors que c'est vous. Bon, qu'il est trompé et qu'il y avait eu plusieurs rencarts, machin bidule, mais bon, hein, ça c'est à vous aussi de vous auto-analyser. Hein, d'ailleurs, c'est bizarre à dire, mais vous devez vous poser, auto-analyser quelqu'un de très précis qui est fidèle. Par contre, vous, vous êtes foutu de leur gueule à multiples reprises dans d'autres rendez-vous. Ok? Donc, en fait. C'est votre propre projection. Hein. Donc en gros, c'est à vous de vous auto-analyser. Hein. D'accord. Non, mais je vous le dis. Hein. Pour moi, au niveau Capricorne, mec. Bon. D'accord. Après, au niveau des nanas. Bon, ben, il y en a, je suis désolé. Même des femmes Capricorne qui ont trompé des hommes. Hein, selon les décans. Ah, si. Il y a des femmes Capricorne aussi. Qui ont trahi d'autres nanas dans d'autres domaines, tels que au niveau financier et professionnel. C'est OK pour aider d'autres personnes et eux aussi. Bon, donc, bon, hein, et après, on met les fautes sur les autres et les projections et les accusations sur les autres. C'est tellement facile, hein. OK bon, voilà. Ça va pas du tout en fait, hein, moi, comme on me dit. Donc, il serait peut-être temps de voir un peu et de faire le point un peu sur vos vies. Hein. Parce que, y en a, ils font beaucoup de mal à des autres êtres humains hein, qui leur ont rien fait. Hein. Bon. Donc, je vois beaucoup de personnes qui font des vœux, qui font des prières pour rencontrer quelqu'un de bien. Il y en a beaucoup aussi qui ont des blocages au niveau professionnel, évolution. Ça va se débloquer. Il y en a aussi pour moi qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. Ça va venir pour moi, on me dit, mais il faut de la patience. Parce que bon, ben, vous êtes beaucoup, beaucoup à chercher un emploi. Il y en a aussi ouais, qui veulent évoluer dans des sociétés ou à leur compte, mais ça va venir. Il y a eu des trahisons et des tromperies, je vous l'ai dit.
de la part de certains signes qui se font passer pour des victimes, qui se sont fait passer pour des victimes alors que ce sont eux et elles qui ont trompé des hommes et des femmes. Hein, c'est tellement facile. Bon, bref, on ne va pas épiloguer sur le sujet. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. J'ai vraiment un décan où ils trahissent, ils trompent. Que ce soit dans des sociétés ou quand on travaille à son compte. Hein. Et en plus, ce genre de personne qui va dire que c'est les autres, hein, qui les trahissent, qui les trompent. Ça peut être des prêts d'argent, ça peut être qu'on devait de l'argent à des personnes. Et en réalité, c'est eux qui ont fait énormément de mal à ces autres personnes. Moi, les autres, je les vois pas voleurs, je les vois pas escroqueurs, rien du tout. Hein. Ok? Je pense que ces hommes et ces femmes sont pas des sages. Sont pas des personnes qu'on doit croiser sur leur chemin. Ils se remettent jamais en question et ils foutent tout sur le dos des autres. Hein, donc, ça va pas du tout. Donc, voilà. Donc j'ai des cancers, mais j'ai des cancers qui, au fond d'eux, ils se sentent seuls. Ils peuvent avoir quelqu'un, mais ils ont envie d'avoir quelqu'un d'autre dans leur vie parce que ils ne sont pas épanouis avec la personne avec qui ils sont. Ok, ils pensent même à d'autres rendez-vous et tout, mais je ne vous le conseille pas. Que vous soyez, moi je ne vous conseille pas. Je vous conseille plus d'en parler ouvertement à votre partenaire de ce que vous ressentez et de voir après. Voilà. Voilà, on me dit ça pour le deuxième tas. Bon. Le scorpion, en tout cas là, ceux-là, il peut avoir débloqué certaines choses. Concernant certains objectifs ou rêves qu'ils avaient. Mais il peut leur manquer l'amour. L'amour. L'amour d'un homme, l'amour d'une femme, que ce soit des célibataires ou pas. Ouais, quelque chose, un manque. Mmh. Ouais, mais ça va venir. Après, il y en a, ils ont peur de s'engager. Il y en a, ils ont été trompés et trahis. Des scorpions ont été trompés, trahis dans le passé. Des capricornes, hommes, femmes. Des cancers aussi, des béliers, des sagittaires. Mais c'est pas une raison, en fait, pour trahir les autres. Que ça soit en amour, que ça soit professionnel. Non, ça va pas du tout. Je pense que vous devez vous auto-analyser, comme on me dit. Hein. Donc là, on a les poissons. Les poissons, moi, on fait de mauvaises rencontres. Ouais, parce que j'ai carrément le capricorne en dessous. Le capricorne femme. Donc pour moi, le poisson n'aurait jamais dû rencontrer un capricorne femme. Qui lui a créé que des problèmes et des emmerdes dans sa vie. Un messier. Alors là. Ok. Que des emmerdes. Qui pour moi voulait évoluer plus vite que le poisson, voulait réussir sa vie de manière générale et a foutu la merde dans la vie à certains poissons. Femme qui a beaucoup menti pour elle-même, parce que c'est des femmes. Pour elle-même et courir d'autres personnes. Et tôt ou tard, se retrouvera face à elle-même. C'est grave. C'est très, très grave. Puis il y en a qui espionnent des personnes. Ça sert à rien d'espionner les gens. Hein. Ouais, de loin, machin, bidule. Avec d'autres comptes. Laisse tomber les gens. Comme ils sont faux, hypocrites.
Ah bah écoutez, il y en a, franchement, vous avez fait de très mauvais choix en fait, hein, de trahir des hommes et des femmes. Mais aussi bien en amour que dans d'autres domaines. Le Capricorne, femme, ah c'est un des camps précis, a fait passer des poissons pour des monstres. Alors que pas du tout, dans tous les sens du terme. Et que à la limite, c'est vous les monstres. Ah ben ce décan de Capricorne femme, c'est un monstre. Ah ben goûtez, hein. C'est un monstre. Bref. Donc voilà moi ce qu'on me dit. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.